Zami tout partout, nous-mêmes qui assoya branché pour nous capables d'écouter émission Tout est poésie. Bonsoir et bienvenue dans édition spéciale ça. Non pas Monsieur Mingolov et pour présenter nous émission. Non pas Monsieur Mingolov et pour présenter nos émissions assoya. Moi d'abord les faits nous connaît que c'est pas 60 minutes de voyage à travers la poésie, voyage à travers des témoignages de un personnage qui représentait un paquet de bagailles dans littérature pays d'Haïti. Nous voulons parler de Georges Castera fils. Oui, moi dit Castera au lieu de Castra. Pita wap konnen pou ki sa ke mwen di Georges Castera au lieu de Georges et mwen di Casté tan kou son e aksan aigu au lieu que mwen di Casté. Donc pita wap gen pou aprann pou ki. Personnaj sa se yon personnaj ki marke literatur haïtienne, surtout poésie haïtienne. Georges Castera fèt nan dat nan yon ane ki te 1936 et très jeune, il était commencé faire folie pour poésie. Déjà à l'âge de 20 ans, il était commencé publier dans revue Optique. Il publié en plusieurs dans poèmes lio dans revue Optique volume 27 et puis l'autre dans volume 31. Et dans même les salles était seulement 20 ans et c'est dans même là ça tout que papa t'a pas le voyer lui étudier en Espagne. Il t'a pas le voyer étudier médecine pour que il était venu un docteur. Voilà que au lieu de yon diplôme en médecine, Castera lui-même fait l'autre route. Il tourne plutôt avec recueil poème dans poche li. Il publié environ yon trentaine recueil poésie. Et pour me plus juste, il publié 33 ou bien 34 recueil poésie. Il commencé publié d'ailleurs premier recueil que il était publié c'était en 1965. Et Georges Castera, li gagne 23 recueils poésie que li publié dans langue créole, sans compter plusieurs autres recueils que li publié dans langue français. Georges Castera, li rete yon figure emblématique pour poésie pays nous, poésie pays d'Haïti. Surtout pour poésie créole là que li font travail là-dedans, li inspiré en pile l'autre monde qui vient à écrire dans langue créole. Pour nous présenter émission ça à soya. Nous t'ai fait appel avec des poètes, des diseurs, également tout des personnalités qui dans monde littéraire là. Et contexte émission ça dit fait dans deux contextes. Premier contexte là c'est pour nous rendre un hommage posthume à Georges Castera. Et nous parler de hommage posthume, c'est-à-dire pour nous honorer lui après l'amol. Et deuxième contexte émission, c'est pour nous permettre que vous découvriez en pile dans l'autre poème, surtout poème créole Castera que vous pas jamais dit. Parce que Georges Castera a en pile poème en créole qui dans livre parce qu'il y a plusieurs recueils, 23 en créole mais en pile dans texte ça qui pas jamais dit. À ce à toi a bonne chance pour découvrir plusieurs dans yo et vous a bonne chance tout pour tendre quatre moun qui te connaît Castera très bien qui te côtoyé pendant vivant ni Georges Castera et qui a fait ti parler de li asoya et invité sa yo bon côté 10 heures yo quatre invité sa yo qui c'est Jean Durosier de Ravine, Evelyne Trouillot
D'Angelo Neyar et Inema Jeudi. Nous prenons le temps de témoignage au cours de l'émission ça. Mais pour nous démarrer, nous avons démarré avec des 10 heures. Les appels ont été lancés par Pibonneur que lundi qui s'est passé hein, pour nous être capable de rendre hommage à Georges Castéra après que nous avons fini de parler de ça dimanche dernier dans l'émission. Nous avons étonné pour nous dire quantité de jeunes 10 heures qui ont montré intérêt pour participer. Surtout là, nous connaissons que son émission toute neuve, une émission qui seulement commencé 7 janvier qui s'est passé. On pas attendre d'avoir autant de monde qui t'a montré volonté pour participer. Eh bien, ça montre que poésie hein, est capable d'unir nous, est capable de permettre que nous travaillons ensemble. N'a démarré, il y en a 10 heures ça où la vive hein, il a vive Chili et il t'a contacté nous parce qu'il était envie de participer, il pas voulait rater l'occasion ça pour lui participer dans l'émission ça qui relait by Castéra ça qui pour Castéra. N'a pas invité pour garder yon garder étendé ou garder pour kawen non et ou attendé voix 10 heures ça qui c'est poète également qui a vu Chili. Moi rime ouais l'en mérivé toucheré dans pied ville yo libé calibre en mon foutette gaillé. Mwen men wè lan mè di pale, kan ale kan kale. On lan mè potou prins, lan mè fatra an bapye. Lan mè potou prins, on gou yadri matis. Mdala gon tambou rabodai, on tambou bisket tombe nan bondal. Kou final, li pote nou lan mè. Kou final, li pote nou lan mè. Tex, Georges Castéra, voix Ricardo Auguste. Là ou pas là, je danse à Kradou. Je parle à bout de phrase ou te dim. Je chita pour comme côté ou te chita. Pour comme entrer dans senti bon. Si vous voulez quoi, même dans bouc senti bon. Pour imaginer m'vironner ou m'kembe ou fort dans rien. Pour mon embouche, moi, j'étais coincé dans pantalon et tout. Pour moi, j'étais ensemble avec vous, dans la maillotte toute langue sous la tête. Fait noir, l'ombre a eu en bas papier carbone. M'a copié ou en 1000 exemplaires. Pour m'pas perdre. Georges Castéra. Les rues traversent notre amour par bribes et prémices. Par branchages piétinés dans des séquences de mer. Nos corps courent bonheur ovationnés par la mer, l'insoutenable mer. Nos corps se détachent, nos corps se rapprochent. Les mots nous masturbent, mon amour. Nos corps, autoritairement sous les empreintes des paroles grimaçantes, nos corps parfumés de bonheur audible. Tel me trouva le vent, enfermé avec des mots dans la joie triangulaire. Ah, j'aime l'odeur des femmes. Quand les femmes traversent mon miroir, pour m'avertir que la nuit touche à sa fin, que le soleil écroulé dans la terre prend sa mesure dans un verre d'eau, oh, habiter la soif, la déchirure, l'étroite fêlure, au rire de celle. Anthony Phelps qui se dit dernier texte de tandis en là, titre lancé signe particulier et li gravé sous yon CD de poèmes que Anthony Phelps qui c'est un pionnier dans 10 poèmes auteur haïtien yo. Et avant ça nous t'étendait Léopala. Léopala c'était un texte qui était dit par Florestal Lemoine et c'était le deuxième 10 heures qui était dit texte dans l'émission à soir tout de suite après Ricardo Auguste lui-même qui était dit l'en mer Port-au-Prince. Déjà émission li dérapé de bon train. Nous dit merci à vous-même qui déjà là qui branché. Si que ou rentrez en bas live là, si que ou c'est un fanatique poésie, si ou c'est un poète, si ou c'est un 10 heures. Ou gain intérêt pour tag 5 autres monde qu'on connaît qui aime poésie ou bien qui c'est poète ou bien qui c'est diseur ou bien simplement qui aime Georges Castéra
pour que ou ka permettre que yo même tout yo suivre émission à soya. D'ailleurs, monsieur dit nous que pendant m'tap faire recherche pour me présenter émission ça, m'vin comprendre bien que pendant très longtemps m'tap prononcer nom très mal parce que m'tap dit Georges Castra. Georges Castra et gon époque même devin mandé tête moi est-ce que c'est pas Georges Castra parce que m'ditandil quelque part. Mais m'apprendre que c'est Georges Castra et ou pral konn pour qui ça plus tard parce que gagnent créoliste comparatiste et écrivain Jean Durosier des Ravines qui gagne un témoignage que il pral porter pour nous dans l'émission tout à l'heure comme ça pour dire nous pour qui ça c'est Castra que nous doit dire au lieu de Castra avant nous arriver là n'a faut attendre d'autres textes par d'autres diseurs. Zami nous pral faut attendre en la lycée poète la vive Orlando il gagne plusieurs recueils de poèmes à actif li et non lycée Isaac Volsi. Il pral dit un texte de Cass les tête ou gaillé non même. Ta coupé bois là ou li k'ap coupé la ligne coup de jeu. Moi papillon à Saint-Jean sorti dans tout corps. Me rêvé m'a couille d'ailleurs, me rêvé soleil, me rêvé de l'eau. L'eau tête claire nous blé, l'eau qui fait tache vert ak bout kou lèv k'ap passé. L'eau blessé dans mi-temps, l'eau tout doit être dégaillé. Je l'ouvri sou moi pour le calculer puis fond ak mont la ponye trois tant des aiguilles cassé tête. Je l'ouvri. On cherche comprendre. Ça qui passa. Un jour la petite a tombé. Georges Castra. Figure. Un ciel de braise dans la chambre. Mes papiers en feu. Le vrai langage vit d'espace, de passion. Je vis sous la veste de tes seins, dans l'immensité libre de la vitre, bleue. Abandonné à ta nudité, pleine et entière, mais qui prendra la défense du poème, en dérive, sur ma table, texte de Georges Castra, brûlé, voix James Stanley et Jean-Simon. Le temps court. Les horloges ont la tête dure, j'attends la nuit, je suis près de toi. Prêt à floconner dans ta main. Texte de Georges Castra, brûlé, voix James Stanley Jean-Simon. La pluie tombée s'arrêtait. Sous soleil quatre jours à souhait. Tout niage pourri sous pied de l'eau, n'ayé tout mot créole, fourré au nom malabou. L'eau suspend mouillé en bas pied, l'eau fouillé moun juste en d'aké. Moi, haïtien, qu'aime grain. Mba gen aucun envie parler à glo qui tourner en moi doulè k'ap voyager frappé j'ai fait même pas gen pièce envie parler à glo qui donnait devant porte caille moun si en bas j'ai ti moun yo la misère crève j'ai l'espoir si en bas j'ai yo toute promesse l'état m'a connait viré tourner tant qu'au tripoule glo l'eau la pli nan fan zotey l'eau la pli nan ragagan. Tout si moun go naïve levé nan dormi ak dlo nan jè. Levé ou levé. Anvi joué levé nan kòy yo. Yo tout lagé nan dlo santi a on ti bateau papye. Ak yon mesay kout foulé. On mesay il est très GBD. Ah.
Haïti. Pays non à la drive. Haïti. Pays non à la drive. Haïti, pays non à la drive. Titre poème ça c'est Gonaïve Royo. C'est un poème que Georges Castéra t'a écrit pour moun ville Gonaïve, ville la caille moi côté me fait et grandi. Après passage cyclone Jeanne et demoiselle qui se dit poème ça Matina René Kabesh. Lise moun gonaïf tout, la viv gonaïf jusqu'à moment n'a parlé an. Lise yon moun ki joue théâtre, ki gan pile talent tout, sou pat kon sa, son demoiselle ki gan pile talent. Et pour qu'elle ta fait étude secondaire nan ville lan, et en pile fois elle joue théâtre, en pile moun te impressionné par talent sa ke li gen an. Et m'di Castéra, merci. Merci deske nan tragédie ki te traversé ville la kay mwen. Que il était choisi pour il était écrit pour moun nan ville la même j'ai souhaité à moi-même moi choisi pour que moi présenter émission ça pour que moi dit respect avec Georges Castéra pour moi rendre honneur que il méritait avec elle. Parlant de rendre honneur, il y a plein monde qui te connaît Georges Castéra qui parlait de lui. Nous parlons que tout à l'heure dans émission pour avoir une chance pour t'entendre pour qui ça c'est Castéra que il dit. Même vle ki to a soif la toujours avant que nous rive nan et témoignage pa et zami sa ki se Jean du Rosier des Racines nous vle et des rivières pardon Jean du Rosier des Rivières nous vle pourtant depuis avant ça yon témoignage de yon lot moun ki nan monde littéraire lan tout c'est Evelyne Trouillot. Parler de Georges Castéra pour moi c'est toujours un plaisir. C'est le moment triste qui gagne, qui passe dans l'esprit, c'est parce que m'ta remet Georges là toujours. Mais comme nous connaissons, malheureusement, il n'est pas là. Journée 24 janvier, il a fait le 4 ans depuis le mourir. Bon, pour me parler de l'influence Georges Castéra gagne sur la poésie, je pense que c'est un bagage qui est assez facile et assez évident. Parce que je ne crois pas qu'il y dans le pays d'Haïti qui est intéressé à la poésie. Qui c'est poésie créole, qui c'est poésie en français, qui pas contre Georges Castéra, qui pas lit Georges Castéra. Si on monte intéressé à poésie, il pas lit Georges Castéra en Haïti, ça veut dire que il perdu en pile. Et n'importe qui pourrait toi pli kounya ou pourrait influence Georges dans poésie. Même Jean ou influence René Philoctète tout. Mais Georges Castéra marqué poésie créole là en pile parce que c'est un premier monde qui portait poésie créole là. Et même s'il écrit dans les deux langues, hein, il écrit dans toutes les deux langues, il y a en français et en créole, mais il écrit en pile poésie créole, il commençait depuis les années 60, il était New York. Et bon, pas prêté sous période ça, mais m'a dit que dans poésie Castéra fait que ou pas qu'à regarder, ou pas qu'à ignorer, ou pas qu'à pas tenir compte de lui. Pour qui ça, selon moi-même? Parce que Castéra, il y a trois bagages qui étaient, selon moi, trois éléments que je joigne qui sont importants pour Castéra. L'amour qui est pour femme. L'amour gen pour pays ya, et qui vient avec résistance pour bataille contre ça qui pas bon, pour bataille pour ça changer pour pays ya pi bon pour tout le monde, et l'amour de gen pour la vie, parce que tout bay ça mélangé dans poésie Georges. Si c'est dans poésie créole comme dans poésie français, il mélangé, c'est pas un Georges qui aime forme ou Georges qui aime pays, non, c'était un Georges qui aime la vie et il aime plaisir, il aime l'amour femme kabali et il aime pays, il était paré pour le bataille pour pays, il pas de peur d'il non. Dans texte li yo. Et c'est ça moi penser qui est important pour moi quand Georges que toujours kembe. Ou ka kan n'importe qui texte Georges qui très simple ou apoué que comment le marier bagay sa yo. Dans texte créole comment le marier yo. M'a pense surtout texte créole comme exemple. Si on prend par exemple Port-au-Prince, comment Port-au-Prince traverser poésie Georges. Si c'est pas Port-au-Prince seulement, ça veut dire son monde qui dirait mes pays a te traverser quand Vic Jacmel. Les temps somates,
un paquet de textes qui marient avec PIA et puis qui marient avec la nature. Ça veut dire, Georges, tu as utilisé la nature PIA en pile, la mer, les oiseaux, bêtes, les endolites, les fourmis, tu es toujours dans la tête, Georges. Ça veut dire, c'est un monde qui était dans la réalité, mais il prend la réalité, ça, il fait un barrière avec elle, qu'on est obligé de penser sur ça, le faire avec lui. Influent, donc c'est ça fait influent, Georges a toujours été jam dans le cœur monde, dans le monde qui a écrit. Sauf pour un texte qu'on coule en main pour tout prince là, qui sont un texte extraordinaire que je mettais en musique, et Ouli, Saint-Louis Jean mettait en musique, mais là, on dit l'en main pour tout prince, on couille à Drimatis, on t'a lagué un tambour à Bodaï, un tambour biscuit tombé dans Bundal, pour me faire souquerin, pour moi, pour en finale, il peut être dans l'en main. Et son monde qui te remet pays, les qui ont été a dépéri devant, et puis qui a dit ça qui a passé là, en nous bataille pour nous faire le diam, pour nous quimber dignité. Non. Et son bagage, moi, je pense, le m'a pensé à Georges, l'autre bagage qui fait me triste, c'est que moi, je dis si Georges était, qu'on y a le Jean pays a dépéri pendant les derniers 4 ans, là, yo, ça a pire du toujours. Vous comprenez? Bon, et en tout cas, Georges était en pile dans la caille, en pile plaisir, et m'a fini avec un texte. Justement, que lui écrit, l'autre texte que lui écrit, parce qu'il écrit tellement, son équipe publie des dizaines de recueils en créole et en français tout. Donc, je vais prendre l'autre texte que je vais lire pour me finir, que j'ai écrit les grands chalets, et on peut être dans le texte à côté, il prend un bail très banal quand on soleil avec chalet, et puis il marie avec l'amour. Chérie, j'aime gagner l'angéo, montrer l'angéo, pack en pack, soleil mouillé m'en trempe. Merci en pile. Au revoir. Toutouni. C'est rad pam là. Toutouni, c'est rad pam non. Non tout rad ou gagne. Toutouni, c'est l'impipito. C'est l'impito. Toutouni, c'est li pi bel, pi soa. C'est li qui prend pli kou. Depuis nan pointe fond zotey, passé nan fond deye, rivé en batete. C'est yon jisto ko sou mezi ko. C'est rad ki fait ak jem sou ou. Sans lever poussière. Poussière chérie, poussière. On rad ki fait ak souf mwen, ak ti bout souf mwen. Nan tout plim ko. On rad moins défaite, vite pressé. Toutouni son rad m'pa fouti voye nan lave chérie, c'est moi qui pou lave kou, ak senti bon, ak fey kou sol, ak crache mot m'inventé pou ou en créole, belle ti femme créole mwen. Toutouni, c'est rad pam nan. Passion pam, c'est chire bouchou ak bouche mwen kon papier journal. Ki sa ki pa ou? Ki sa ki pam non poèm tête en bas? Pa mande m sa ki nan trip on poèm ki souke tête li plein étoile la tourni. Douvan jou pa nou, c'est gouyade ki fait la lade nan drakoton. Nuit pété gel nan mitan jem, lan tombe gaillé, lan tombe sous phrase nou pour lan moun nou, belle ti fi, belle ti garçon. Glace fait main sous figi nou, la ligne nou men nan ma choix. L'ennuit c'est nan géo, c'est nan voix moins ouais jambe belle garçon. Relantèman, pati wè se kè bòj jò pase. Gennèk, se mete ou lantè, san boite pichepin, san soulier, san bouezou. Yon kadav kon sa. Yon kadav san non, ki pare le rouge, ki pare le jemè. Yon kadav san non, yon sem victime la sosyete. Kamarad ouvriye, l'état qui n'est pas l'état comme ça, c'est l'état créé en injustice, cap marqué divisé, marqué effacé. Eh bien, Bosch de ces saletés dit. En vérité, trois fois, moi, c'est menté. Rilantèrement, pas de ouais, c'est que Bosch de passé. Genègue, c'est météo lanté,
sans boîte pichepin, sans souliers, sans bouison. Un cadavre comme ça. Un cadavre sans nom. Qui parle les rochers. Qui parle les germains. Un cadavre sans nom. Un simple victime de la société. Société balayousée. Il entend pas de ouais, c'est qu'il y a bon jour passé. Point forme. Ou couché dans bram. Poil ou chéri. Tant kou fou mi fou. Y ap grimpé tout partout sou jim, sou chevim. Sou bouche mwen tout. Yo tellement long, se fey kokoe, yo gaye, yo feme gare. Sou la mer, poil ou toune voel. Nan ciel, yo toune lak an ciel, tout swel tant kou limye zitwel. Ay chéri, les jambes l'ouvri, branche poil ou. Ou pas ta di yon tirak boi. Georges Castra. Remé a te. Bata remé caresse nous de faufiler, aller vini pour le fini de pas fini. Fila rien, 10 douettes grillées, sous un yen qui pas semblé ak jan abiti remé. Mouen, m'ba vin krasé yon plaisir qui te savé ou. Pour ideye do, pour me fourrer ou nan l'audience ta fiate à kason à lele. Moi m'vin fè ne, m'vin fè dou kavè ou. Pour nous vanser qu'on est ensemble nan remè a de. Pye m'klete pye ou en badra, pye m'deklete pye ou nan la ri, c'est pour mal parlant. Nous te mette senti bon, yo condamné pour di nous remè sale. Des pour fête, pour moi, toute femme m'aurait depuis au pas. Ou c'est boule pique moi. C'est à coup m'gagne l'école lagué. C'est à coup m'teke la vie depuis au pas. M'place m'bon keo. Zout. Yap tek. M'pa fouti pedi. Jouette la vie, c'est jouette sans vice, sans condition. M'pas besoin de faire la lade pour m'gagner. Attention, Timoun. M'a teke. Boule pique, moi, c'est Jacqueline. Toute l'autre femme, c'est Grison. Oui, j'ai dormi dans ton rêve. La mer y entrait transparente en elle-même. Le bonheur courait dans tous les sens avec des fourmis qui rêvent légèrement sur des morceaux de pain. Où va ton corps pour que j'y aille? Où va ton corps? Le jour en plein est dans le jour, je veux ta nudité en plein dans mes mains. Ta nudité empilée sur ma bouche ouverte. Je la veux désirante sur la flamme riante de mes doigts. Que peut-on faire avec la voix qui broie de l'ombre au plus profond du corps? On ne sait jamais si le corps ment, si le corps dit vrai. La dualité de tout mensonge est un mensonge et vérité. Confie-moi ta tristesse sans orthographe. Convie-moi à tes rêves visibles par tant de brume. Regarde, je dors sur la tête comme une toupie qui a perdu la raison. Nous t'écoutons, yon après l'autre, James Fleurissin, Kanga Bayovi qui te dirige l'enterrement. C'était un des six poètes tout lui-même qui t'a dit Poël Femme, Winifred Remé à deux
Et puis nous vinn gen Pierre Brisson qui te dit deux textes de Castera, yon nan yo c'est tout jouet c'est jouet et l'autre là c'est la nuit indéchiffrable. Atsoya c'est yon émission tout à fait spéciale comme ka wè ça. Tout texte qui jouait là, tout poème que nous diffusé yo, c'est poème qui écrit par Georges Castera. C'est sûr que moun ki di yo, yo différent, c'est différent 10 heures. Parce que Aswaya émission son édition spéciale, yon édition qui visait pour rendre yon hommage bien mérité, bien que c'est un hommage posthume, à grand poète haïtien, ça qui était à la fois tout dessinateur, il était un critique tout, critique littéraire, dessinateur, poète, et Georges Castera tout, sous pas de konsa, il était un activiste, il était un militant tout, parce que pendant le théâtre en Espagne, il étudiait, il était très impliqué, il était très impliqué dans le monde qui était abgoumé, même laissé à distance. Pour parler plus de Georges Castera, et pour qu'on ait pour qui ça c'est Georges Castera, que moi je ne dis pas Georges Castra ou bien Georges Castera, et nous prenons fort entendre. Yon zami qui te gen chance pour côtoyer Georges Castera, yon échange idée souvent, li même fait thèse li. Ok? Li fait thèse li de, c'est-à-dire dans l'université, li gon thèse nan fin étude ou, surtout lè que ou ap fè yon baccalauréat ou bien yon maîtrise, yon master, ça que donc ou gen pou fè pou présenter yon thèse. Li fè li de Georges Castera. Et li gen yon lot que la préparé konye an sou Georges Castera. Alors, nous invité Jean Durosier de Rivière pour que li di nou. M'ap di tout moun bonsoir. Alors, c'est pas évident pour parler de yon poète tant que Georges Castera en 5 minutes ou 6 minutes. Mais m'ap essayé tenter exercice là et m'ta même commencer parler de Georges dame parler de monde que monsieur té hein, que Georges té. Alors m'dit Georges parce que c'est ton ami. Alors Georges Castera et même m'a insisté, me répéter tellement assez souvent chaque fois m'a parlé de Georges, pour me dit c'est Castera. C'est pas Castra, moi tout le monde appelait dit Castra et monsieur té très sensible à ça, il dit ça plusieurs fois mon dit Castra. Bon au moment arrivé, il pas dit rien encore mais il dit c'est Castera et si n'a suiv bien on ministre et de l'éducation nationale en France actuellement et qui portait nom en tout mais obtenu de tout le monde c'est Castera. Donc c'est pas Castra, c'est pas Castera, c'est Castera. Mais moi même relé les Georges parce que c'est ton ami donc m'a parlé de Georges en tant que ami, c'est ton ami fidèle, loyal qui en amitié et très franc, très sincère, c'est un monde qui pas peut dire qui ça le penser. En français, m'était qu'a dit monsieur très il est droit, il a une certaine rectitude en ce sens. Et deuxième bagage m'était qu'a dit concernant Georges, c'est un monde qui respecte le monde, c'est un monde qui aime écouter le monde, qui prend en compte sa son deal et il n'y a pas de gain qu'une arrogance d'une certaine manière. C'est pas un monde qui a fait gros l'estomac hein lors dit l'on bagaille l'écouter me dit qu'on les écrit texte les mavel parfois qu'on demandait me conseil puis il corriger en fonction de ça me dit l'autre bagaille m'était qu'a dit de Georges donc c'est un poète il poète mais il critique tout ça nous connaît ça veut dire non seulement la écrit poésie mais la écrit critique non seulement critique sous poésie critique sous langue critique de d'autres auteurs d'autres poètes il écrit critique sous Magloire Saint-Aude etc et c'est un poète dessinateur nous souvent oublié ça Georges dessinait et grand pile correspondance Mbappé a fait pile développement là mais grand pile correspondance entre poésie Georges et dessin Georges ou après des thèmes il y a une sorte de transversalité j'en ai tout est poésie, Mengolov Romain, mon ami, frère, et compliment pour ce travail que tu conduis. M'a dit tout le monde bonsoir. Alors, c'est pas évident pour parler de un poète tant que Georges Castera en 5 minutes ou 6 minutes. Mais m'a essayé tenter exercice là. Et m'a même commencé à parler de Georges. Dame parler de monde que monsieur té hein, que Georges té. Alors me dit Georges parce que c'est ton ami.
Alors, Georges Castérac, et même, m'a insisté, me répéter tête assez souvent chaque fois qu'on m'a parlé de Georges, qu'on me dit c'est Castéra, c'est pas Castra, tout le monde appelait dit Castra, et monsieur était très sensible à ça, il dit ça plusieurs fois, mon dit Castra, bon, au moment arrivé, il va dire rien encore, mais il dit c'est Castéra, et si n'a suivi bien, au ministre de l'éducation nationale en France actuellement, qui potait nom en tout, mais obtenu de tout le monde, c'est Castéra. Donc, ce n'est pas Castra, ce n'est pas Castera, c'est Castera. Mais moi-même, il est Georges parce que c'est ton ami. Donc, m'a parlé de Georges en tant que ami, c'est ton ami fidèle, loyal, qui est en amitié, et très franc, très sincère. C'est un monde qui ne peut pas dire qui ça le penser. En français, il a dit, monsieur, très, il est droit, il a une certaine rectitude en ce sens. Et deuxième bagage, il a dit concernant Georges, c'est un monde qui respecte le monde, c'est un monde qui aime écouter le monde, qui prend en compte sa deal. Et il n'y a pas de gain, qu'un arrogance d'une certaine manière. C'est pas un monde qui a fait gros l'estomac. Hein? Lors dit l'on bagaille, l'écouter, dès qu'on l'a écrit texte, les Marvel parfois, ils ont demandé un conseil, puis il corrigeait en fonction de sa deal. L'autre bagaille m'a dit de Georges, donc c'est un poète, il poète, mais il critique tout ça, nous connaissons. Ça veut dire, non seulement la écrit poésie, mais la écrit critique, non seulement critique sous poésie, critique sous langue, critique de d'autres auteurs, d'autres poètes. Il écrit critique sous Magloire Saint-Aude, etc. Et c'est un poète dessinateur. Ils ont souvent oublié ça. Georges dessinait. Et il y a pile correspondance, je ne vais pas faire pile développement là, mais il y a pile correspondance entre poésie Georges et dessin Georges. Ou après des thèmes, il y a une sorte de transversalité, j'en ai qu'à dire en français. Donc, une sorte d'échange. Et enfin, c'est un poète bilingue, c'est-à-dire, ça nous connaît, mais ça vient pour dire, sous question qu'un poète bilingue, c'est-à-dire, il écrit dans deux langues, en créole et en français, mais il utilise rien pour rien. Et il pratique, ça me relève en français, en bilinguiste d'autonomie, c'est-à-dire, il utilise chaque langue de façon séparée. Il écrit en français, il n'y a pas de traduction en créole. Il écrit en créole, il n'y a pas de traduction en français. Donc, il écrit de façon autonome. Il écrit en français, qui c'est en français presque classique, pur. Il n'y a pas de régionalisme là-dedans, il n'y a pas de créolisme là-dedans. C'est en quasiment. Il est là avec le créole, même bagaille là. C'est en créole pur, pas de mélange, il n'y a pas de français là-dedans, il n'y a pas de l'autre créole là-dedans. Et tout ça traduit en forme de nationalisme. Et Georges, faut nous pas oublier, c'était marxiste-léniniste d'un point de vue idéologique. Et donc, dans poésie, là, on parle de l'expression du matérialisme. Donc, la matière, comme il le dit dans certains poèmes, la matière première. Et je ne connais pas l'idéalisme des dieux, la matière première. Donc, c'est-à-dire, poésie, Georges, il fait co à la réalité, il fait co à tout ça qui est sensible, tout ça qui est visible, tout ça qu'on a touché, tout ça qui est palpable. Et ça fait que, il y a un paquet de grands thèmes d'eau qu'on parle jeune dans la poésie, Georges, tel que la va aborder question corps femme, sensualité, sexe, l'amour, l'amour. Et quant à question thème l'amour, son thème qui est très présent à Georges, mais c'est lui présent au sens où Georges a attiré attention nous sous présence de mort qui est constant dans la société, hein, qui est constant dans le pays, hein, et en même temps, banalisation de la mort. Mais à un moment, pour avoir une progression dans le thème, ça, côté Georges a abordé propre la mort pâle, côté l'a pas affronté propre la mort pâle, parce qu'il sentit que la mort pas loin. Et une pension dans ce sens-là, une sorte d'influence d'Heidegger qui dit que l'existence de l'homme n'a de sens en somme à partir du moment où il commençait à garder l'amol en face. Et je pense que la caille Georges, bon bagaille comme ça à un moment de la durée. Et puis l'autre bagaille, je dis, dans la poésie Georges, surtout en créole, il y a plus de bagaille concret que en pile abstraction. Il y a plus d'abstraction dans la poésie que monsieur écrit en français. Et enfin, dernier bagaille, m'a prêté sous lui parce que grand pile temps. Donc, dans la poésie créole, Georges, si n'appelle la poésie créole, Georges, depuis le premier texte que monsieur écrit en 1956, qui était publié dans la revue Optique, pour nous river dans le dernier texte que l'écrit, qui est goutte par goutte, si n'appelle tout texte ça, nous sommes capables de suivre l'évolution écriture langue créole, c'est-à-dire façon l'écrit graphie langue créole.
Parce qu'en 1956, où tu as un créole que Georges t'as écrit, qui était orthographié selon un orthographe étymologique, c'est-à-dire français, et puis nous venons tomber dans toute graphie que nous connaissons, IPN, etc. Et ça, son bagage très intéressant, c'est-à-dire, texte Georges suffit pour suivre l'évolution langue. Enfin, m'a fini avec un dernier bagage, parce que nous t'ai dit que Georges est un poète critique. Critique là, où joignez tout, dans poésie même que Monsieur a fait, à travers des figures de style, ça y aurait les figures de pensée, des aphorismes. M'a appelé deux, trois aphorismes pour nous, et puis m'a campé là. Non. Rature de miroir, par exemple, Georges écrit, le capitalisme n'est pas éleveur de colombes. Et non, voix de tête, Georges écrit, il ne faut jamais laisser aux morts l'initiative de la lumière. Et nous avons ensuite pour Emmanuel Diou, debout partisan. Et enfin, je vais finir à ça, que nous jouons dans pied pour pied, dans un point bonjour qui n'a pas gagné l'en medley. Merci. Préparé sous Georges Castéra. Et nous entendez bien? Il n'y a pas réellement remé le moun abrele le Castra. Parce que non, c'est Castéra, Georges Castéra. Il t'a exprimé ça quelquefois avec quelques moun qui près de lui. Et nous avons que Georges Castéra, c'est ça que Jean du Rosier des Rivières lui-même lui dit à chaque fois qu'il parlait, il parlait de Castra. Et il parlait de aphorisme que Georges Castéra lui-même lui utilisait, qui c'est une figure de pensée, une formule générale, côté que ou capable avec une phrase, une maxime ou exprimer une vérité absolue, une observation. Et faut dire que ça que Castéra lui-même était surtout voulait faire, c'est là que lui écrit l'employé je ou bien l'employé première personne, c'est surtout de yon li parler de ou même. Elle a parlé de li parler de ou même. Li écrit à la troisième personne. Donc Castéra, li même, elle dit je comme aphorisme. Donc il était impliqué yon façon pour être capable de tendre le temps qu'on yon vérité générale. C'est exactement ça. Et oh, voilà, et nous pas réaliser que nous pas sous écran. Dans le moment, il est déjà fait 9h42. Nous n'avons pas grand peu le temps devant nous, mais il faut que nous continuions à l'émission. Donc, il est probable pour que nous allions au-delà de 10h, là, puisque c'est live nous y est, c'est et Radio Explosion, on est en ville Gonaïve, on va nous entendre pour quelque soit l'heure que nous voulons. Si vous faites brancher, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Tout est poésie. Tout est poésie. Tout est poésie, c'est une émission qui fait chaque dimanche soir de 9h à 10h. Les live sur Facebook, sur page YouTube moi qui c'est Mingo Love Romain, page Mingo Love Romain, on peut aller sur YouTube pour suivre l'émission sur YouTube et sur X tout sur page Mingo Love Romain. Mais sur Facebook, les live sur plusieurs pages tant que Poésie pour vous, page ça, les live sur les chaque dimanche soir et les également live tout sur page Pam, page personnelle moi qui c'est Mingo Love Romain. Nous gagnons plusieurs autres 10h, nous gagnons plusieurs autres témoignages et nous promettons que nous avons joué tout à soir. Nous ne pouvons pas quitter soir pour sans qu'on attende plus poème Castéra dit à soir. Nous ne pouvons pas quitter soir pour sans qu'on attende l'autre monde qui parlait de Castéra parce que gagnons et d'Angelo Néar, que en plus là nous connaît, qui présentait la Livre Vous sur Télé Caraïbes et puis gagnons Inima Jeudi qui gagne pour faire parler tout au cours de l'émission pour qu'on y a un fort attendu. Yon poète qui est également 10 heures, Adelson Elias, qui pourra le dire deux textes de Castéra. Situation. Moi qui t'en courrier le roche qui pas mené aucun côté. En chemin découpé dans un pote qui tout fragé, côté pentadab joué la go caché. Bon t'apprends cœur sous beau gauche moi. Pour me bâtir en caille en mode. Pour chance moins garder chaque jour plus loin, pour jouer chance moins camper chaque jour plus heureux. Et scandale public. La pluie est de mon côté,
li tombe jourim, li jourim, li jourim, li salambim, li savonem, li décatiem, tout le monde courait qui était pour comme, la mi-temps la pluie. Ville la campée devant une glace crasée, tout zingle matin, l'eau entrée dans l'homme. Situation. Un besoin de caïpaï. Côté zandolé, côté radin, ou non. Je viens de me dormir gros midi dans le bras. Et en ce moment, je suis pour des nouvelles dans le griffe de la report au prince. Un besoin de petit caïtol pour la pluie pas pour être dans le genou. Un petit caïmon fou pour mettre la ligne avec le soleil qui a biché sous tête. Un poème que Georges Castra t'a écrit. Un vent soleil viré d'auban nous, la pli chire chivil en miette morceau. Pour tout prince jodia, pas gen parapli noir pour péter j'ai la pli encore. La misère. J'ai pété à grand chiré, à pépoté à l'jeté mort sous tout ribolari. M'pa gen temps pour la prière, yen. C'est n'en fin fond la nuit, m'tombe rele li lè, li temps pour tout bagay changer. De quoi la vie belle m'éveille, de quoi moun envie vivi au tout bon, sans mentir. Mes amis, oh, gros la journée soleil chaud, si elle la kembe, on mousse la laine sous tête. La fè la go caché ak nuage, kap kouri ki te pays ale. Mes amis, oh, moun ap kouri ta kou fumi fou. Hier soir, c'est la laine nak tap passé en balan tiray pou al vole patate. Mes amis, oh, bon vano. C'est le seul monde sous table, il commence à perdre l'eau. Georges Castra, mes amis, au champ pour Georges Castra. Les riz, figure cassée code, ou riz tout riz qui n'a encore, ou riz tout soleil, toute la ligne, toute la riz brassée ensemble, ou passez au l'enrisib, passez au l'encrib, fin fin. Juste un l'ombre de tout chimé atterri dans la main. Lè ou ri chéri, c'est courir vent ap courir pour vinn ri avè ou. Lè ou ri, c'est comme si c'est soleil qui posait dans plat même. Un million vingt imoso zengle mouri li men. Chaque courir mouri tout pour mouri ak ri nan bra ou, pour mouri nan la touni ak ri ou. Georges Castra, lè ou ri. Mache, kite jalousie nan fenêtre. Jalousie c'est force côté, li gâte mes mains, qui parange cabane. Li gâte que bien fond, li caille cervelle, li dérange tête drette. L'aime tout tourner, mettre mes dans poche moi. C'est chalbe pam, et puis m'baille la mes face pour m'parler à la nuit. C'est de où m'parler avec elle. Et, allez qu'il est. L'homme qui n'a dormi, personne ne connaît si c'est dormi ou abdormi avec moi. Je suis allé voir que la fumée n'a pas de jambon belle, petit papi, qui colle sur moi. Hiroshima, mon amour. Hiroshima, mon amour. Bacha l'argent offert, tourne en ville sans porte. Tout rêve, boucané, cancané. Tout le monde dans la cabane. Je ne sais pas si je suis Margaret, c'est vous qui te dit ça dans le domaine. Et tant que moi, avec beauté, je connais son bouche. Si c'est l'homme qui frette, je suis un peu de petit ménage. Pas quitter les rêves chauves, pas quitter les cœurs bicards. Dans le domaine, toute ville, c'est ville, Pam. Ou même tout Hiroshima.
Hiroshima, mon âme. M'dormi nan mitan en ville la kan ciel pou bon côté. Pou mi vle manger ou. Ou mwen se ou vent traîner nan jardin. Se ou vent souffler en l'air, on pa dire. Non la pi 3 jours, m pa ka traverser ak souli nan pied. M'vle se ou ki route mwen. Se ou ki montre m route. Ay chéri, ou te ka ban mwen. Se ou. Nous t'étendons yon après l'autre, Valmy Hyacinthe, Douglas Zamor, Rebel Sankara, Ricardo Boucher, Josens Petit Homme, et puis Kin Clint, qui fait que se déclamer qu'on y a un, deux poèmes de Georges Castera. Émission à soi, c'est une émission qui est très belle parce que ou même on choisit pour tendre, on choisit pour garder nos à soi. Et c'est pas seulement à soi, nous voulons pour là. C'est chaque dimanche, régulièrement. Vi nou fèl on habitude, vi nou fèl on rendez-vous. D'ailleurs, poésie pa genyen place vraiment que le ta dwe genyen sur réseaux sociaux yo. Vi nou pran ti rendez-vous sa le dimanche soir. Vi nan yon date virtuel avec poésie. Vi nou tande ti mots kap charme mes oreilles ou ti mots lè yo rentré ki passe nan oreilles la ki glisse descend nan fond cœur et ki fait que ou senti que ou transformé ou vinon l'autre gens. Vin koute bel texte. C'est pas de Georges Castera nous parle chaque dimanche soir. Jodi an son émission très 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 spéciale parce que nous te vle mercredi que se passé an c'était 24 janvier. Li te fait exactement 4 années depuis que Georges Castera lui-même li te quitté te ça. Alors, nous pas oublier un gros poète comme ça. Nous te décidé pour nous faire appel à 10h yo. Pour nous capables de rendre hommage ça et c'est comme ça que nous gagne émission ça qu'a fait à Square. Nous gagne puis l'autre 10 heures qui gagne pour vinn 10 textes encore qui gagne pour déclamer et nous prend le temps de connait Kili Charlot qui c'est poète et 10 heures ensuite n'a temps de Philipson Juste et après yo c'est D'Angelo Neyar qui gagne pour le faire un témoignage de Georges Castera. Restez là avec nous par les pièces côté parce que émission li a continuer et li pral aller à Square après 10 heures. Dans pays c'était figue un goût pistache grillé. En bas braio, yo ti sent la ba pin chaud. Qui t'aime marcher dans pays? Qui t'aime danser dans pays? Ak pays. Concou beauté. Georges Castera. Yon l'état bak en arrière, n'en parler mettez là. Yon l'état k'ap fè jé moun kouri klo. Yon l'état commission pachay, yon l'état toute bête, yon l'état sans l'honneur, yon l'état catalou pour doute, yon l'état fait les faits sous le pep. Mettez là, restez là, yon l'état zoriquin, allez tri pays, mettez dehors, yon l'état kabay la vie morbide, yon l'état kap rale sou raf lot peyi pil fatra lot peyi ti pil koupil. Yon l'état kap van sak papouli ak tout degi gob magog chen ki tetere mort sou semwel tèt. Yon l'état kap chache deye moun. Yon l'état eps vini mbalo warete alon l'état mpa pe. Gâté prière, Georges Castera. Quand qu'on y j'gèpe l'en soleil, mais non, mais rel. Qu'on la souhait, tout quand l'en pays envolé en l'air ou pas en béqué ciel là. Qu'on le joue, la kafou la graille, gué un chien jaune kap tchupé. Mais c'est passé sous pays, attend qu'on allait mettre passe-partout. Voisina y dit, depuis hier, c'est drôle. Ti moun yon a fait jouer troche. Ça autant de ya. Ça autant de ya, yon gren kou, yon gren rel. Et yon petit tout meg ki bondi, li balance yon roche. Li di, yon de jou moun kampe, ta fout l'état yon kout roche. Tout est poésie, Mengolov Romain, mon ami, frère, et compliment pour ce travail
que tu conduis autour de la poésie contemporaine, de toutes ses formes d'expression. Et évidemment, m'a salué et tout le monde qui a suivi le podcast ici là. Alors, nous sommes fin mois de janvier, et fin mois de janvier, et son fin mois qui gagnait un pile de tristesse, parce que ça rappelait nos disparitions, Georges Castra, à chaque fois. Georges Castra, pour moi, c'est d'abord le poète haïtien qui se prête le plus au jeu de la mémoire littéraire. On connaît très peu de monde, très peu de monde qui est intéressé à causer livres, qui est intéressé à causer poésie en Haïti, qui pas connaît au moins un poème de Georges Castra de mémoire. Ça veut dire, l'écriture de Castra, c'est une écriture qui traîne en nous, qui laisse des traces mémorielles indélébiles, son souffle poétique, son capacité de signifier qui est remarquable. Ce n'est pas avec de l'encre que je t'écris, mais avec ma voix de tambour, assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Mes amis, n'ab d'accord que là, on a un jeu poétique, on a une mise en scène du langage qui mettait le temps en suspension. Et c'est eu de notre travail qui colossal, moi trouvé que Georges Castra arrivait fait sous l'anglais. L'arrivée rend l'anglais potable, du moins l'arrivée renforcer potabilité l'anglais. L'arrivée tout, utiliser des mots de tous les jours, une maison, tu m'aimes, etc., qui brûle. Et l'arrivée créer avec des entités linguistiques extrêmement simples. L'arrivée fait de yo, de structures de langage extrêmement complexes avec une force de signification qui est énorme. Georges Castra, c'est tout, on pourrait être de la provocation. Si nous prenons un poème d'un coup, pour elle femme, ou gaillé, pour elle femme, ou, et d'un coup, si, ah. Le poème n'est pas là tout de suite, mais c'est pour vous dire que Georges Castra, c'est un poète remarquable. Et je pense que dans la poésie contemporaine haïtienne, on a gagné un avant Castra, un après Castra. Et je pense que toute génération qui a écrit dans le moment, yo là, sans yo pas rendre compte, yo gagné une dette esthétique énorme pour Georges Castra, dont nous saluons la mémoire. C'était D'Angelo Meillard, journaliste littéraire. Gardons bonheur, que vive à jamais la mémoire de Castra. Tout est poésie, Mengolov Romain, gardons bonheur. Et merci, merci à mon ami D'Angelo Néard et qui dit en plus le baril de Castéra, Georges Castéra, lui employer des mots simples pour que lui projeter des images qui très profondes. Parce que la poésie, c'est avant tout un jeu de mots pour créer un message codé, un message imagé, c'est-à-dire parole qui dit hein, à travers lui-même, son pensée qui dit, hein, son comprendre qui dit, hein, le réfléchir et puis ouais, c'est pas lui-même vraiment qui dit. Et en plus, nous connaissons que moi aussi je suis poète, moi j'ai un recueil à Vue des Lampes qui était sorti en 2018 ou même qui peut-être pas de consam, tu profiter de vous capable acheter le sur Amazon et Aveu des Lampes, c'est titre recueil moyen ça. Et à chaque fois que moi entendais Georges Castéra ou on monde qui a dit Georges Castéra ou bien moi li yon nan recueil li parce que Karel DM là m'gen plusieurs recueils li m'gen li publié 33 moi gagne 16 et dans 16 ça yo gagne deux anthologies ou bien trois anthologies deux en créole c'est Rabouche avec Blegadeng Beng, qui yon même gagné l'autre recueil que peut-être m'a gagné en créole. Yo. Moi, ap continue à émission, malgré le fait 9h59, n'ap continue toujours parce que gagne pile l'autre bel texte de Castéra Kodro étendu. Et l'important pour être branché, parce que c'est dimanche soir, c'est moment pour que ou quitter avant al dormir, gon ti son, gagne des paroles douces, gagne des paroles suaves qui caressent ses oreilles. Et puis, pour laisser que on aller jusqu'à ce que dormi en pont. Asko ya mande ou prêter m reste nuit là jusqu'à ce que l'émission en fini. M déjà dit merci pour ça
et m'a demandé tout si c'est pour la première fois que vous écoutez l'émission ça pour retourner encore dimanche prochain parce que c'est chaque dimanche régulièrement de 9h à 10h nous bon rendez-vous ça là l'autre dimanche yo nous jouer nous diffuser dans l'émission des poèmes de différents auteurs et ces différents diseurs qui dit yo et n'a continuer fois ça c'est Rodenison Métayer qui pourra le dire pour nous yon texte de Georges Castéra. Fait chaud, point tété ou écrit cochi, tête en bas, l'envel en droite, nan plat même. M'fou, m'pile langue moins trois fois. M'glacé, m'sicré, m'douce. Point tété ou, sablé tout comme lisse, fait tout couleur comme mâché drette. Kem tout neuf, fait que sauti nan papier cadeau. Pram chéri, pram, ma koné avem. Avant tête clé, avant tête vert, tête blanche, avant la vie voyez me jeter jouette avec fourmi rouge en batte. Bal la fait trou pour le rentrer, l'aller, li traverser depuis ses tripes, depuis ses pieds, gisier, moelle tête, li passer en bouline en bouleverse, li virer entrer bourade écrasé. Ou a di yon bagay la chache nan mi tan fey papye. Bal la kwazi a 4-4-4 ki te chita peti diye. B, A, ba, a ba. Bal la antre ba nan listwa kokay la. Li bwa se bil tout bagay. Ve chavire bouch an ba. Tab panche sou de pie. Chey pa y rale sou de ye pou yo sove ale. Allez ouais pour moun ki ici ki l'autre bo ki l'a mal cité. Bal la fait trou, li fait tout sale konnen pou pa kite an yen derrière k'ap bouger, ki kampe jam sou des pieds. Bal la fait trou tout partout pou l'passer, tout bagay blessé malman. Ki kan, ki maman, ki papa, ki petite sauvle. Bal la tire sans maman et moun se vyen ak pou. Et puis sans cap couler aller dans rendez-vous 24 pour me belle la vie joindre route contentement. Mais voilà, moun blessé, moun mouri pour l'idée ou vle défendre, l'idée tête dit, l'idée liberté bien tempée qui prend la ri dans trou bal, qui prend la ri tout ou ni a chanter. Mon caporal tout pour derrière, mon caporal tout pour derrière, mon général bon tout pour arriver. Mon général bon tout pour arriver tiré de gâte et prière Georges Castra 1990. Refait ta forêt Georges Castra. Refait ta forêt. Apprends-lui à pleuvoir, à pouvoir, à voir aussi loin que la queue d'un arc-en-ciel, aussi loin que le soleil qui pousse joyeux dans ta main. La poésie reçoit sur rendez-vous. Champion n'en baille la vie. Personne, pas de wim en yen. Tout chanté, gen refrain, pour moun qui voulait répondre. Si m'te gen ke, c'est pas tiré l'im tarele. Si m'te gen ke, c'est vrai même ta remé. Pour me relier à verre, pour me faire que à verre. Si m'te gen bouche, c'est pas l'aim ta parlé. M'ta parlé sans rêter, j'en bouche habité parlé. Si m'te gen bouche, m'ta mangé sans rêter, j'en bouche habité fêté, les jeunes manger pour le pas rêter. Yo dim vicié. Yo dim vicié. Somme pour qu'on mange rien. Yo dim vicié et pourtant, c'est douet moi m'a soucié sans rien. Les enchantés fini, on l'autre commencé. Ça pas jamais fini. A toujours quelqu'un pour répondre depuis yon moun commencé chanter. A toujours quelqu'un pour remet pas jamais fini boy sit. Si m'te gen gouyad pour gaspiller. C'est pas danser, m'ta danser.
si m'te gen gouyad pour rancer, c'est pas avant m't'abrasser. M'ta grosse soti chérim, chaque matin, pour m'champion en bay la vie. Texte, Georges Castera, voix, Fabienne Estimable. Quelquefois, je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour rattraper le soleil au pas de course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train, traînent une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Raconte-moi ta vie. Mais comment raconter? Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de cire au ralenti, d'une ville habitée par des montres arrêtées sur la face des maisons ou des passants. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre témoin oculaire d'un temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale? Est-ce que gen moun kap soti nan peyi san chapo? M'bezwen konnen si fibo la dako pou pran chimè kochi avèm. Tan pri, dim non pou m'tou mourim. Georges Castera, Recueil Joff. Depi ou fi? Depi ou rete radan ou, m'dan ri, m'dan vi, m'a vi viv la jwa. Yo met di prezim si, prezim sa. Yo met di prezim pale ou tete ete ou. Ki te mel mwen. Se sa m'vle mem. Yo met di li fou bou, li mache sou troa pye. Se sa m'vle mem. M'vle retire soutan ki kouvri tèt noua. Depi ou fi, yon poèm de Georges Castera ki nan recueil point bas. Depi ou fi, et eske gen moun ki te di par le diseur anonyme, parce que nous avons tout type de diseur, nous avons qui anonyme tout, et peut-être moun ki habitué tande le kap di, si c'est yon nan moun ki kon di deja, yon ka essaye de deviner voir pour yon qui est lié. En tout cas, ou même qui branche, qui fait brancher émission, nous fort, on a fort connaît que c'est poésie pour vous. C'est une émission côté que chaque dimanche soir nous diffuser poèmes, surtout poèmes de poètes haïtiens. Et majorité dans poèmes ça yo, c'est des diseurs haïtiens qui disent. Et en pile dans yo, c'est des jeunes diseurs. Moi-même, quand dis nous, personnellement, moi, découvri là, que me défini lancer appel pour me demander pour des diseurs qui intéressaient, dit Texte Castera, si yo pas gain, moi-même, de promettre que m'a baillé parce que m'y a plusieurs recueils, Georges Castera. Et c'était un plaisir pour moi, combien diseurs qui te répondent. Ça pourrait le permettre que l'émission, ça a tout le renforcer parce que plusieurs dans diseurs, ça, c'est poète, yo et tout. Yo pourrait commencer à partager œuvre, yo avec, pour que le dimanche soir, pour me jouer dans l'émission. Alors, c'est tout un plaisir. Et émission ça, c'est une émission spéciale, je dis, hein, parce que c'est un hommage à Georges Castera. Et c'est peut-être ça, nous relé li. Nous relé émission by Castera, sac pour Castera. Donc, émission je dis, hein, ou bien édition je dis, hein, li relé by Castera, sac pour Castera, même bien ou by César, sac pour César. Et c'est ça même que 10 heures ça yo. Et l'autre personnalité dans le monde littéraire ça yo qui parlait à soi yo choisi pour yo faire. N'a pas continuer. Fois ça c'est yon poète qui relait Jim Laporte, yon diseur qui pral déclamer yon texte de Castera et nous gen plusieurs autres monde donc Chris Fallin Oralus, Marie-Ange Claude, gen également et yon témoignage tout de Zanmi nou Inema Jeudi
et gagnen yon poème tout qui gen pour venir tout à l'heure de et yon l'autre poète qui c'est Carl Henry. Maintenant vi nous côté avec Jim Laporte. Quelquefois je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux, pour attraper le soleil bas de gauche, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots, et te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train, traînent une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée, qui rit dans la rosée. Écris-moi, raconte-moi ta vie, mais comment raconter? Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de sirop ralenti. D'une ville habitée par des montres arrêtées sur la face des maisons ou des passants. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre? Témoin oculaire de notre temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale. Lettre d'octobre de Georges Castera. On voit. Depuis l'époque pour le guédon, Baudemé a piété un pays d'Haïti. Il met les pieds sous lui, sans dit pété, sans dit bouki. Bâtiment entré, bâtiment sorti, avec feuilles blanches, grain de bois, coulant qui, ta qui, import, sport, copie, chaque petit bois, une sentimentique, je pleure des chefs en vie, qui sous lui, import, Expo, pas mon petit classe, pas mon petit coup de bas, on a pris une ratiboisée sur tout le pays. Import, Expo, ou monter galerie, ou monter galerie, ou descendre galerie, puis monter, puis descendre la boulie. Import, Expo, import, Expo. Contrebande, coup de poing. Ak non jouet yo sou devanti, billet gout change pou an de toi par an bas, nan fonti ou an état pou import export. Se la diye sa tor, ou y a pralé misère, mette sou misère, pays d'Haïti, et an ap exporte richesse pou l'autre bon mec, ou pa ka oué l'autre bon mec. Import export. Import export. Si jodi pa gen demain, m vle demain libre nan point tete yo. Pour m pa dormi bon nèg, pour m pa leve trop tard après soleil fin neve. A la bagay gou se peche mortel. Pour m pa ta peche avèl. Yo met bay peche si la tout nan yo vle. Douz pou douz coupé, coupé droite, paradis ou l'enfer. Za fè. Tete ou à l'oupaon, tété, ou à douce-paon. Tété ou fini en papier sablé pour faire sommeil moins lisse, tant qu'au sommeil dit bébé. Même les crasses dominant j'aime toujours, me senti me tas en clé dans moi. Pour sang marcher ensemble, pour marcher ensemble, pour faire qu'elle me sirette, pour pomme boule peau, pour nous chaud dans tout le corps. De quoi nourrir les ensemble. Vive l'enfer. Diffé l'enfer, Georges Castra. Majesté, Georges Castra, merci pour tout ça représenté. Merci pour ça à continuer à représenter. Malgré tes déplacements, ou mais toujours là, parmi nous, à travers ça, n'a fait, dans bouche nous, dans texte n'a li, mon n'a chanté, ou pas si pas là. Donc c'est preuve que ou pas de vivant vain parmi nous. Et moi croisé avec ou non centre culturel créole lolo et Delma 75 Kay Pierre Gauchéri centre culturel créole lolo c'est œuvre Pierre Gauchéri avec madame Chantal Driss et là nous croisé tenant
dans le studio, mon yote invité, mieux par générosité, yote voulu m'enregistrer quelques textes pour l'histoire et la vérité, et gratis. C'était justement une sorte de générosité, m'pat rivé cerné, et, mais après, m'vin ouais, justement, l'été gagne tout sens, l'aime dans le studio, a yo stoppé m'à partir de deux textes, moi, fin dit, ou relé, ou mandé m'sorti dans le studio, a, Pierre Gaucher relé m'lem vini ou di ah inema mais Castra là et Castra di fonti stopper pour vini et pour ka di texte pi bien parce que ou valé en pile mot et puis et ou ka quitter texte là tel côté donné parce que texte là premier texte là pour même c'était deux textes dans un seul texte et puis justement l'aime couper texte là en deux me rend moins compte que tout te dit me rete a c'est la texte là t'est fini et m'apprendre ça pour la vie me partager avec l'autre monde dans génération pas maintenant avec l'autre monde qui dans génération qui vient avant maintenant tout parce que justement c'est on poète pas ca égoïste on écrivain on artiste pas ca égoïste parce que faut passer flambeau quand il le faut et c'est ça où t'as fait ou même et m'apprécier ça et jusqu'à présent me parler sous ça parce que faut que l'autre monde yo connaît même si me parle demain et l'autre monde nous partager ça avec yo pas là mais au moins et travail Minglove Romain a fait là son travail de mémoire bah c'est justement ça a prêté pour l'histoire et la vérité et l'a utile de génération en génération. Merci pour onomatopée, merci pour corps sonore là, m'apprendre cultiver grâce à vous. Merci pour ellipse là, l'ellipse dont tu es le maître ici en Haïti. Pas de débat sous ça. Et moi actuellement qui t'aime dire m'a travail sous un bagaille que ou même ou pas là dedans du tout question comme si rapport vaudou avec avec poésie, rencontre qui ça le cabaye, qui ça yo ka échanger ensemble et qui ça yo ka travaille ensemble et aboutir à une vérité qui tout neuf. Bon, m'a fait une femme chance moi actuellement et textal monté avec un band chanté qui automatiquement tombé, voulait tomber dans patrimoine vaudois. Et c'est une là-dedans pour me saluer mémoire, pour me saluer petit départ ou fait et saluer effort en pile mon a fait pour ralos cotoya pour faire sentir que comme si pour faire tout le monde sentir que ou pas aller vrai mais ou seulement font petit déplacement. Oh go pa ba mon cœur oh go Fera yo, pa bay moun ke ou gwo, si ou bay moun ke ou ya pon a son yale, oh gwo. Pa bay moun ke ou, fera yo, oh gwo, pa bay moun ke ou gwo, si ou bay moun ke ou ya pon a son yale. Donc, c'est de chanter qui montait dans texte là, son texte cap. Justement les pluriels dans dimension ligne parce que l'absorti c'est avec CD et puis l'absorti avec deux dessins tout tu as bien content qu'on ait que m'a fait dessin et nous en nous ressoudé parce que génération a besoin souffle Castra Aïbobo Potomitan. C'était Inema jeudi yon poète haïtien qui suit Castra et fondo que li gagnen yon recueil même que il était dédicacé à Georges Castéra recueil ça qui relé 100 poèmes pour Castéra et yon pour Dambala et après ça il gagne plusieurs autres recueils en créole qui suivent il gagne deux recueils tout en français alors DM là dans bibliothèque moi gagne tout recueil et jeudi Inema jeudi et qui des fois fait jeu de mots avec nous jeudi Inema donc li c'est yon nan moun que me pensais que c'était important pour parler tout dans émission Aswea qui fait que l'aime de contacter c'est sûr c'est avec plaisir que li te profiter parce que moi-même avec lui nous t'ai déjà gagné de très bons rapports et l'aime d'aller faire 20 signatures à Vue des Lampes en 2018 en Haïti nous t'ai fait bon petit parler lui-même avant ça tout il était États-Unis et avec Mehdi Chalmers, côté que nous t'ai gain chance pour nous discuter, parler de poésie, tout ça. Émission la
poché vers fini. Nous gagnons seulement 3 autres poèmes pour nous jouer pour asseoir. Nous disons merci de ce que vous choisissez pour guetter tendre nous jusqu'à présent. Nous étions supposés finir à 10h. Il est déjà 10h et 19 minutes. Ou là, ça prouve que ça a fait leur email. Ça prouve qu'on a un respect pour Georges Castera. Ça prouve que vous choisissez pour bam temps personnellement. Moi, je vous merci. Moi, je vous merci tout de ce que. En bas là ça ou tag plusieurs autres amis qu'on connaît qui aiment poésie ou tag plusieurs autres monde que ou pensez en émission comme ça qui a intéressé n'a dit que rendez-vous en c'est chaque dimanche n'a tant nous encore dimanche prochain n'a tant nous pour qu'on mène plusieurs autres monde et sous ces 10h sous ces poète 10h ou gain place dans émission ça nous voulons jouer poésie ou nous voulons jouer texte que ou dit peu importe c'est pas bien par l'autre monde si sont 10h. Sous c'est un poète qui pas qu'on dit ou qu'a chercher mon nous fait qui qu'on dit bien ou fait dit export ou voyer au moins. Ou pas gagner, c'est pas une émission côté n'a charge pour nous jouer à fort propre, pas gagner comme ça. D'ailleurs, son bagage que moi fait pour me capable faire avancer poésie. M'pa gagner, m'a tiré de ça et m'ta remet pour plus promotion fait, surtout pour poésie créole. Alors maintenant, nous pral fort tendre toi l'autre texte que doit attendre avant nous finir yo. C'est Karl Rim qui pourra le déclamer après ça c'est Philipson qui a tenu encore et n'a terminé avec texte de Pierre Brisson. Pierre Brisson qui c'est un grand diseur parmi tout le monde qui a dit poème, c'est peut-être un nan moun qui font impact sur un pile monde. Viens nous attendre avant nous arriver sur Pierre Brisson qui avant dernier, viens nous attendre Karl Rim qui a dit un texte de Castera. À la rombelle petite dame 20 ans d'âge, Pierre qui passe rivin. En pantalon nylon a commencé avant au lait tout glissé dans m'elle. Me cherchais paroles qui bougeonnaient pour me dire li belle. Me cherchais paroles qui courit pour courir qu'un belle. Me cherchais la ligne dans plafond Kaili. Pour lui, me cherchais la pli qui fermait en bas clé. Ville au cap, son ville qui met sic sous langue moins, sous qui nomme moins. C'est dommage, toute histoire le pendier non graines allumette. Reste là en lait en tête mode. Reste là son gros pile roche, ou Christophe mette à pas. Et oua, pour calonner l'oreille. À la belle tidiale 20 ans qui passe et rivin, on peut aller de vitrine bien cintrée, à qu'on l'appli tout glissé non mêle. C'était, à la belle tidame, Georges Castera, voix, Karl Henrim. Tout en y sera de pam, non? En tout rade au gain, tout on est dito, c'est les plus belles, les plus soi. Son rade qui prend plus croix, depuis nos coins d'oteils, passer dans le fond d'ailleurs pour vivre en bas d'été. Tout on est son rade, moins défaite, vite et pressé. C'est un giste corps dans mes écrans. Tout on est son rade, m'pas foutu mouillé dans la vie chérie. C'est moi qui vous lave corps, avec senti bon, avec fait au sol, avec craché mot, mais vanté pour vous, belle femme créole. Brusquement, l'épaule d'une image intrépide d'érision du poète devant l'herbe endormie au piège des doigts. Nos rêves ont pris l'habitude de regarder par la fenêtre les fleurs qui délugent, la foudre qui s'appuie contre ta joue, le sauve qui peut des arbres et des robes. Tu sais, les robes s'ennuient dans les armoires sans tes frissons de nuit cachés. L'enfant que tu redeviens tremble comme une feuille de papier pourtant lourde de la ponte des mots. Je suis là, comme une ville abandonnée à la pointe du feuillage. Je suis là comme une ville offerte à ton sourire. Le soleil est heureux d'habiter tes yeux. Je dis, salut soleil. Mais dormir se ramasse encore dans tes bras, mon amour. Comme une virgule au bas des phrases inaugurales. Parfois, la mort lèche mes mains. Ton sourire en efface la trace.
Ce n'est pas avec de l'encre que je t'écris. C'est avec ma voix de tambour, assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Brisson qui vient de dire deux poèmes de Castra, Solaire et Certitude. Je suis là comme une ville offerte à ton sourire. Le soleil est heureux d'habiter tes yeux. Regardez, pourquoi tu dis ça, non? Répasse ces paroles, ça, dans l'esprit, non? Je suis là comme une ville offerte à ton sourire. Le soleil est heureux d'habiter tes yeux. Ou quand imaginons que ou a filé yon fi, et puis, ou a fait avec poésie, ou dit le parole ça, son fi qui a un grand yeux, ou dit le soleil est heureux d'habiter tes yeux. Et puis, pour ça, va faire quoi le fait chez de poule, pour li pas prêt pour le dire, mais comme chéri prend le fait sauve la velle. Hein, entre nous, la belle bagaille, c'est poésie. Son j'ai pas que depuis jeune d'a fait acoustique pour ces mesdames yo dans collège Immaculée Conception des Gonaïves les que d'a filé mesdames yo avec poésie avec des mots doux. C'est une belle époque, bien que époque ça n'était toujours pensé c'est en français pour une belle pour belle et créole là tout quand pile l'autre belle bagaille qu'on capable dit pour arriver toucher cœur yon monde qu'on aimait. Mesdames, c'est pas seul monsieur, non, qui a fait poésie pour toucher que nous. Nous-mêmes, nous avons fait réciprocité. Hein? Même l'on fit dit une parole qui est tellement belle, et je me suis dit que je frémis, bon, moi, ma vie prend l'embrame. Ma vie fait poésie tout dans les oreilles pâles, je vais faire réciprocité. Hein? Parce que, pas qu'une plus belle bagaille que poésie. La poésie, Jean Ricardo Boucher, me dit ça. A gen plus belle bagaille. Vi nous bal plus importance. Vi nous promoter le plus. Mais on connaît yon nan bagaille qui fait que poésie souffri. Poésie souffri parce que en pile belle poème yo écrit yo nan livre, moun pa presque li encore. Ou bien des fois, moun nan li tant que c'est juste la pli et qui n'est pas de bagaille. Gon jan pour poésie li pour le faire effet le doit faire. Et me pense que si gen plus 10 heures qui commencer prendre habitude, puis y a dit des textes et puis y a bien dit yo, ça capable permettre que même Jean avec l'autre beau Ario prési commencer va aller terrain beaucoup plus et émission ça la pla pour faire ça exactement. Les rivé moment pour nous fausser aux compagnies pour nous quitter où moi dis merci à tout le monde qui t'ai prend temps. On va besoin peu nous pas quitter nous avec un problème quand même ou bien deux peut-être avant et l'aime fin parler là. Nous mettre rester gain notre belle type voilà qui va le passer dans oreille nous. Moi dis merci avec un ami malgré le malade qui te prend temps de déplacer qui était la caille il venait dem dans studio ça que moi gagne la caille côté m'a fait émission il te dit me change ou même qui te suivre émission dimanche qui était passé ou bien deux autres dimanches avant ça parce que c'est le 7 janvier à nous commencer émission ça ou carré que background non c'est-à-dire des dômes c'est pas consulté c'est toujours même chambre là même te gagne bibliothèque moi qui DM côté qui était en face moi. Et zami ça suggéré pour qu'ils soient pas mettre le dehors plutôt. Et zami, on pas capable prendre conseil parce que monsieur c'est domaine ni. Il fait film déjà, il fait documentaire avec Valérie et Radio Vision 2000. Donc monsieur il relé Mackenzie Jeune, c'est un frère, un grand frère. C'était dans même l'école Gonaïve, collège Immaculée Conception. Et c'est un monde qui pas jamais pas prêt pour l'offrir conseil et m't'écouter conseil li. Si nous aime bien passer à soya, si nous aime derrière gagner toute bibliothèque moi on peut pas ouais tout non parce que faut m'da zoom out pour nous capable ouais donc mais nous ca ouais que m'exposer livre Castera yo derrière dom. Alors me dit merci à Mackenzie Jeune Kenken. Moi dit merci tout avec Erol Israël. Erol Pradieu Israël qui m'a pile conseil tout pour émission ça. C'est un poète tout, je pense que tu as dit quelque chose à soi, mais malheureusement, je n'ai pas choisi pour le déclamer. Je dis merci à Ruben Salacerdo qui n'a pas suspendu ben mon conseil. Et tous les amis qui toujours bail conseil. Mais, moi, je voulais dire merci
10,000 fois. On merci que m pa genyen yon unité de mesure pour m'te capable di nou dimension. Merci ça moi vle di avec chaque graine poète 10 heures qui t'a accepté participer dans l'émission à soir. Moi vle di yon merci à l'autre invité yo, madame Evelyne Trouillot. Les moi t'ai contacté li qui t'est trop content pour parler de Georges Castera. Jean Durosier de Rivière que m pas du tout gen contact avec l'avant. C'est une référence de d'Angelo Nea et il était trop content pour que lui parler de Georges Castera. Et d'Angelo, c'était toujours un plaisir pour lui, il me dit ça pour dire Mingolov pas gen problème. Ce sera fait. Et il m'a dit monsieur ça merci. Et pour zami qui dit texte nan yo, nous connaît l'isla li en pile, si m'ta prend cité là, faut m'ta retourner la dan, mais nous connaît qui est nouye. Moi remen nous tout et moi dit nous merci. M'a blessé nous avec yon poème de Georges Castera qui dit par Jean Durosier des Rivières. Jean Durosier des Rivières qui était à l'heure fait témoignage dans l'émission, c'est lui qui a terminé l'émission avec nous avec yon poème de Georges Castera qui titré Tambou Créole. Merci à nous toutes. Bonne soirée, bien dormi. Rendez-vous dimanche prochain, 9h-10h, pour une autre émission. Tout est poésie. Non pas M. Mingolov. Moi, je remets nous toutes. Donc vous marchez du sampa capoté ou capoté sampa ka sampa ka sampa ka makata kara 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 Mon créole, c'est tamboum. Tamboum bat la rec, tamboum bat la sec. Tamboum yon mache dit, senti moun sans grand monde depuis en haut, tout en bas, senti moun sans grand monde, tout la jet, tout longue, tout la jet dans l'arrière clé. Si on la met fizi à terre, qui paveille frontière, qui paveille l'en met. Si on la met sans l'honnête, si on la met payé sans pays, cap gaspillon, dépital, catapal, catapal, belle, pour faire moun paix. Si on la met pépé, l'autre la met habillé, déshabillé à clé. Tamboum mache dit, sampa capote, wa capote, wa capote, sampa capote, sampa ka, sampa ka, sampa ka, wa ka, ta ka, ta ka, ta ka, ta ka, ta ka, ta ka. Gagot fomi sous homo, c'est ça nous, ouais. Nous voyons la mère en plusieurs morceaux. Nous voyons souffrance malgré dans tout bout à tout fait. Nous voyons testament écrit, parlé, mettez là. Nous voyons tout chef à conscience petit bébé, tout chef qui t'a dit la mort, bon appétit, mangez bien, tout fournit, ta canapé, ta. Et puis l'on est coupé, en flagellé, en violé, tout a couru, qui habillé, qui tout tourné, et on prend bâton, il s'est cassé, j'ai pété, blidi, blidi, blac, rentrez là, rétez là, plop, 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 t'en vous prends, t'en vous baille, sort, prends, c'est pas, pao, ta canapé, ta canapé, ta canapé, ta maca, maca, sampaka, 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 maca, potel, sampaka, potel, pao! Ouais, lui, chérie. Poello. Au coucher dans bram. Poello chéri. Tant qu'il y a une niche. Tant qu'il y a une niche fourmi. Une niche fourmi pique. Une niche fourmi fou. Il a grimpé tout partout dans le dos. Il a monté, il a descendu, il a viré, il a tourné, il a carambolé. Poello chéri. Aïe aïe aïe, a dit oui dans. Poello sous j'aime, li si cheve, li sous li sou, dans le dos. Poello tout partout. Yo tellement long chéri, yo portre tache kokoye. Poil yo gaye, yo fait m'égaré. Yo gaye nan dom, yo gaye nan chevi, yo gaye sous plim jelm, yo gaye nan tout rel dom ouen. Adje maman m'pedi nan niche poil. Yo sou l'an mea, mouen sou l'an mea. Aïe aïe aïe. Poil ou portre en voel. Moi sous la mer, moi voilà, moi voilà. Dans le ciel là même, il y a votre lac en ciel.